Les objectifs que nous nous sommes fixés ici collectivement en votant le déclassement de ces actes sont ambitieux et supposent que nous puissions répondre efficacement à cette question. Comment permettre une vraie priorité au transport en commun et au covoiturage? Encourager les automobilistes à partager leur véhicule, mais surtout à le délaisser pour privilégier les transports en commun. C'est là que réside tout l'enjeu de la transformation de cette portion autoroutière en un boulevard urbain, apaisé et multimodal. L'une des solutions. Cette impulsion dans le changement des manières de faire passe par des solutions de transport en commun performantes, avec la mise en place d'une ligne de bus express sur une voie dédiée, reliant la gare à la gare de Vez sur la section nord, et une ligne express reliant la halte d'Ivoux jusqu'à la place Bellecour sur la section sud. En ce qui concerne les automobilistes arrivant du nord de l'A89, de l'ouest, des Monts d'Or et du sud de Villefranche, ils auront désormais la possibilité de laisser leur véhicule dans un parc relais pour ensuite prendre une ligne express que le Citral mettra en service dès le printemps 2020 et qui bénéficiera d'une voie dédiée. Actuellement, la bande d'arrêt d'urgence de l'axe M6 est renforcée pour accueillir prochainement cette ligne de bus à laquelle elle sera réservée. Concrètement, il faudra 7 minutes depuis ce parc relais situé à Porte de Lyon pour rejoindre le parc d'activité de Teclide et un peu plus d'un quart d'heure pour Lyon-Vez. La nécessité et l'utilité de ce service ont été démontrées par une étude dont la restitution a été faite en juillet 2019 et dont les conclusions sont celles-ci. Le parc relais identifié et projeté à Porte de Lyon est idéalement situé et dispose d'une offre de transport en commun déjà intéressante et adaptée. Par ailleurs, une étude plus globale a été menée par le Citral sur le développement des parcs relais et démontre qu'ils sont efficaces lorsque le trajet en voiture ne dépasse pas 20 minutes avec la garantie de pouvoir garer son véhicule et avec la connexion à un transport en commun performant permettant là encore de relier sa destination en 20 minutes. C'est dans cette perspective que s'inscrit la mise en service de la ligne express sur M6 et que de nouvelles perspectives de développement de bus à haut niveau de service sont actuellement étudiées par le Citral sur les grands axes routiers en connexion avec de nouveaux parcs relais à déployer plus en amont aux portes de notre agglomération. Une telle évaluation nous permettra d'orienter efficacement nos projets et ainsi que les dessertes de l'agglomération en offrant des alternatives efficaces aux déplacements en voiture. Il fallait avoir de l'audace en 2016 pour déclasser une autoroute et prendre la décision de la métamorphoser en une portion, de métamorphoser cette portion très fréquentée en voiture en un boulevard urbain végétalisé. Ce projet constitue pour nous une opportunité de mise en service immédiate d'une nouvelle ligne de bus express sur une voie dédiée au nord avec un partage de tronçons sur le sud, et c'est sur cette portion qu'il sera également intéressant d'évaluer l'efficacité moins évidente du partage de voiries. En matière de transport en commun, il faut être opportuniste et pouvoir les développer sur des sites propres et des corridors. Notre intergroupe soutient bien sûr ce projet afin de favoriser notre objectif qui est de favoriser le report modal, supposant d'offrir une alternative efficace au regard des prévisions de dynamique démographique et de projection du développement des déplacements. Quelques toutes petites précisions en réponse à Madame Rabatel sur la contradiction de demander beaucoup plus de transport et la contradiction effectivement d'évoquer une politique de gratuité. 2h du matin, chers collègues, 1,5 million d'euros par an supplémentaires. Transport à la demande dynamique, nouveau transport très innovant, initié sur 3 secteurs, Mi-Plaine, Teclide, Vallée de la Chimie, 3 millions d'euros pour l'expérimentation. Tous les jours pour faire tourner le réseau de transport en commun TCL, 1,2 million d'euros. 29% de nos abonnés sont des abonnés solidaires. 29% bénéficient d'un tarif solidaire. Et chers collègues, c'est la raison pour laquelle le Citral a commandé spécifiquement une étude sur la gratuité, ou plus précisément, le coût de la gratuité pour notre réseau de transport en commun. Il est accessible, il a été fait par le LAET, le laboratoire d'aménagement des transports. Et il est important et intéressant parce que, sans dogmatisme aucun, il vous démontrera bien évidemment que si vous souhaitez que les transports en commun deviennent un jour gratuits, vous n'aurez plus bien évidemment les moyens de pouvoir continuer à opérer sur ce mode métro, bus, tramway, sans multiplier à minima par 3, voire 4, la subvention que vous votez dans le cadre de la métropole en termes de fonctionnement. Ce sont des données importantes parce qu'au-delà du dogmatisme,
c'est comment vous développez toujours plus un programme ambitieux. Et je ne voulais pas dire que j'avais mal compris Madame Rabatel puisqu'elle se félicitait de tout ça. Je voulais simplement dire qu'on était aussi sur une dynamique aujourd'hui de lisibilité de la tarification solidaire et que bien évidemment, nous nous mobilisions très fortement pour améliorer systématiquement le réseau Optibus. Mais j'insiste, lorsqu'on parle de désendettement et d'autofinancement, on parle d'emprunt pour financer de l'investissement et non pas de l'emprunt pour pouvoir injecter du fonctionnement parce que bien évidemment, l'ensemble des moyens mis à disposition par le CITRAL sont mobilisés pour le fonctionnement au quotidien et que le plan de mandat qui était initialement voté à 1,2 milliard a fini finalement par 1,4 milliard d'investissements, ce qui a permis effectivement de progresser. Quelques petites données, même si nous ne sommes pas sur cette assemblée du CITRAL, simplement pour éclairer sur la manière d'avoir de l'ambition pour notre réseau de transport en commun. Eh bien, cette ambition, elle se finance et il n'y a toujours que la même poche. C'est soit votre poche droite d'usager, soit votre poche gauche de contribuable. Je vous remercie.